Soyez les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Nous aussi, nous sommes la nation. C'est le cri du cœur lancé par Marwan Mohamad en pleine campagne électorale présidentielle. Le directeur du collectif contre l'islamophobie en France est notre invité. Il fut l'un des tout premiers à entrer dans les locaux de Charlie Hebdo après le carnage perpétré par les frères Kouachi. Patrick Peloux raconte dans un livre comment il tente de se reconstruire. Le médecin urgentiste témoigne sur notre plateau dans la deuxième partie. Depuis 23 ans, le cessez-le-feu règne entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais c'est une paix très fragile. On en parle ce soir avec Elchin Amirbayov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Mais avant, place à l'actualité. À la une de l'actualité, au moins 9 morts et plus de 50 blessés après une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie. Une enquête vient d'être ouverte pour terrorisme. Week-end de terreur dans le Kasaï au Congo-Kinshasa. La région est en proie depuis 7 mois à des affrontements sanglants entre l'armée régulière et des miliciens qui se réclament d'un chef traditionnel local. Et puis l'impasse en Guyane, les ministres français de l'Intérieur et de l'Outre-mer ont quitté Cayenne sur un échec. Le Premier ministre français Bernard Cazeneuve adresse ce soir une fin de non-recevoir au collectif guyanais qui réclame un plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros. Le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé après cette explosion survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il n'écarte pas la possibilité d'une attaque terroriste. Le bilan provisoire fait état d'au moins 9 morts et plus de 50 blessés. Les images commentées par Anaïs Renevier. Il est 14h30 ce lundi lorsque ce wagon quitte la station place Naya. Une explosion retentit. Sur cette photo, on voit la porte du métro soufflée par la déflagration. Premier bilan, au moins 9 morts et plusieurs dizaines de blessés. La totalité du réseau de métro est alors fermée. Quelques heures plus tard, les services antiterroristes russes annoncent avoir désamorcé une bombe artisanale à un autre arrêt. Le président Vladimir Poutine, présent à Saint-Pétersbourg pour rencontrer son homologue biélorusse, a présenté ses condoléances aux familles des victimes à la télévision. Les forces de sécurité et les services spéciaux sont en train d'enquêter. Et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour trouver les causes et donner des explications complètes sur ce qui s'est passé. Dans son allocution, le président russe indique examiner toutes les hypothèses. Mais en fin d'après-midi, une source officielle indique l'ouverture d'une enquête pour actes terroristes. Ces dernières années, la Russie a régulièrement été visée par des attaques terroristes, revendiquées par des indépendantistes tchétchènes ou caucasiens, ou des mouvements islamistes radicaux. Et les réactions se multiplient. On va écouter celle du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Nous ne connaissons pas les causes, mais en tout cas, nous sommes avec tous ceux qui souffrent. Et c'est pourquoi je tiens à exprimer en cet instant toute ma solidarité au nom de la France. Notre consulat est totalement disponible à Saint-Pétersbourg, le centre de crise à Paris aussi, pour informer les familles françaises qui pourraient avoir des questions à poser. Et donc nous aurons en temps réel tous les moyens d'informer et d'accompagner. Pour l'instant, nous ne pouvons pas du tout mentionner de victimes françaises. Nous n'avons aucune information à ce sujet. Mais nous sommes prêts, en tout cas, à répondre à toutes les questions et à nous mobiliser, quel que soit le moment. Et avec nous sur ce plateau, Elchin Amirbayov, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Nous vous avons invité notamment pour parler du conflit du Haut-Karabakh qui oppose votre pays à l'Arménie. On va quand même demander votre avis sur ce qui vient de se passer dans quelques instants parce que l'Arménie a des liens très étroits avec la Russie. Près de 2 millions, l'Azerbaïdjan pardon, a des liens très étroits. Hein. Près de 2 millions d'Azerbaïdjanais vivent dans ce pays. C'est une ex-république soviétique. On va d'ailleurs tout de suite vous entendre à ce sujet. Une première réaction. D'accord. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre invitation. Et bien sûr que j'aimerais bien de dire que pour ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg, que cette nouvelle nous a profondément choqués. On ne sait pas encore des causes, mais en tout cas, je tiens à exprimer toute notre solidarité et, au peuple ami russe et à la Russie, mais aussi surtout
aux familles des victimes, parce que y a toutes nos condoléances sincères. On sait bien qu'aucune piste n'a pas été encore écartée, mais en tant que pays qui a souffert beaucoup des actes de terrorisme, donc l'Azerbaïdjan comprend très bien à quel point c'est important de trouver la cause de cet acte. Justement, vous êtes ambassadeur dans un pays qui a été frappé ces dernières années par le terrorisme. Comment, dans votre pays, on fait face à la menace? Votre pays est-il confronté à ce type de menace? Vous savez, le terrorisme, c'est un crime, c'est un phénomène qui ne reconnaît pas ni frontières, ni les différences ethniques ou religieuses. Donc c'est un phénomène contre lequel tout le monde civilisé s'est mobilisé dernière temps. Et l'Azerbaïdjan fait partie de cette coalition internationale de la lutte contre le terrorisme. L'Azerbaïdjan avait participé avec ses contingents dans l'opération en Afghanistan. On était présent en Irak. Et bien sûr qu'on continue notre coopération très étroite avec les pays membres de cette coalition, y compris avec la France, en tout ce qui concerne la prévention des actes de terrorisme dans notre région du monde. Restez avec nous, on va donc vous entendre tout à l'heure sur d'autres sujets, notamment ce conflit du Haut-Karabakh. Avec nous également Slimane Zeghidour, notre éditorialiste. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Cette explosion survient dans un contexte très particulier. La Russie est en guerre au Moyen-Orient. Oui, elle est en guerre et c'est une guerre assumée. Elle est même déclarée par l'Église nationale russe comme une guerre sainte contre l'organisation État islamique. Donc on le sait, c'est notoire, la Russie est engagée sur terre, par mer, par voie des airs, et on peut dire que l'engagement militaire russe massif a permis à Bachar al-Assad de sauver sa mise jusqu'à maintenant, de remporter une victoire à Alep, mais aussi d'infliger les plus sévères revers à l'organisation État islamique dans sa courte et sanglante histoire. Alors on le rappelle, prudence pour l'instant, le président russe Vladimir Poutine s'est exprimé, il n'exclut aucune piste, comme nous le disait monsieur l'ambassadeur sur ce plateau. On a beaucoup évoqué la présence de francophones au sein de l'organisation État islamique. On a tendance à ne pas assez le rappeler. Il y a beaucoup de russophones aussi, Slimane. Des millions. On parle même de 7 à 10 000 ressortissants de l'ex-Union soviétique, dans des Tadjiks, des Ouzbeks, mais aussi des citoyens russes comme les Tchétchènes ou les Tatars ou les Ingouches. Donc, la Russie est un des plus grands exportateurs de djihadistes pour l'organisation État islamique. Et la Russie n'est pas à sa première expérience d'affrontement avec les djihadistes. Je rappelle qu'il y a eu le conflit en Tchétchénie. Il y a eu deux conflits en Tchétchénie qui ont été sanglants et qui se sont traduits, entre autres, par des attaques terroristes à l'intérieur de la Russie. Combien vous disiez avoir rejoint les rangs de Daesh? Des millions, vous voulez dire peut-être des milliers? Oui, des milliers. Des milliers plutôt. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est entre 7 et 10 millions. Pas des millions et des milliers. C'est pas la première fois que la Russie, Slimane, est frappée par le terrorisme, hein. S'il s'avère, bien entendu, que ce soit un acte terroriste, encore une fois, prudence. Non, ce n'est pas la première fois. Il y a même une série sanglante d'attentats terroristes, y compris dans les trains. Par exemple, en novembre dernier, la police russe avait annoncé avoir arrêté des individus originaires d'Asie centrale, oui, qui s'apprêtaient justement à mettre des bombes dans le métro de Saint-Pétersbourg et de Moscou. En 2009, le train qui assurait la liaison Moscou-Saint-Pétersbourg avait sauté, avait déraillé suite à une explosion qui avait fait, l'attentat avait fait 27 morts. Et on peut remonter à 2010 ou même en 1999, lorsqu'une série d'attentats avait endeuillé Moscou. C'était pendant la guerre de Tchétchénie et à la veille de la seconde guerre de Tchétchénie, on avait même évoqué toutes sortes de pistes, y compris une provocation de la police secrète russe à l'époque. Voilà donc pour ce décryptage, monsieur l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Elchin Amirbayev, merci pour cette première réaction. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes pour évoquer d'autres sujets, notamment les relations entre votre pays et la France. Au Congo, la situation s'aggrave encore un peu plus dans la région du Kasaï. Cette province, qui se trouve à 700 km de la capitale, Kinshasa, connaît depuis 7 mois maintenant des violences entre l'armée régulière et des milices locales. Ce week-end, les insurgés ont semé la terreur dans deux communes, Louébo et Chimbulu. Le récit de Philippe Randriana Rimanan. Regain de terreur au cœur de la RDC. Durant le week-end, des miliciens armés mènent plusieurs attaques dans le Kasaï, à Louébo, contre des bâtiments administratifs et de l'église catholique. À Chimbulu, dans le Kasaï central, contre des soldats congolais qui ripostent. Mais à Kananga, c'est la brutalité de l'armée qui est pointée du doigt, notamment par l'église catholique, en première ligne sur le terrain. Nous avons difficile à comprendre cette réaction
de la hiérarchie de l'Église catholique parlant d'usage disproportionné de la force, alors que nous n'avons pas les éléments sur ce qui s'est exactement passé. Nous n'avons aucun indice qui permette d'étayer ces propos, sauf que peut-être il y a une politisation du discours. Pourtant, la population locale se plaint aussi des opérations de ratissage visant à traquer des miliciens de Kamouinan Sapou, du nom du chef coutumier tué en août dernier. Bandeaux rouges, armes blanches, mais aussi armes à feu, ces miliciens sont suspectés d'être à l'origine de l'assassinat de deux experts de l'ONU ou encore du massacre d'une quarantaine de policiers congolais. Les affrontements sanglants entre forces congolaises et cette rébellion ont fait 400 morts. Mais aujourd'hui, pour Kinshasa, le problème serait en voie de règlement. La situation est en voie de règlement parce que le ministre de l'Intérieur a pu mettre en place un mécanisme de règlement qui est en train de suivre son cours normalement, mais nous enregistrons des actes barbares très loin du territoire de Timbulu. Reste que dans le Kassai central, la psychose gagne du terrain, la population fuit les dernières violences dont on ne connaît pas le nombre de victimes, peut-être une centaine de morts selon des ONG. Toujours pas de sortie de crise en vue à Cayenne. Les ministres français de l'Intérieur et de l'Outre-mer ont quitté la Guyane sur un échec. Ils ont été reçus, vous le voyez, à Matignon par Bernard Cazeneuve cet après-midi. Chacun campe sur ses positions ce soir puisque le Premier ministre français fait savoir qu'il refuse le plan d'urgence de 2,5 milliards d'euros que réclame le collectif guyanais. Sachez que le gouvernement français, lui, on le rappelle, proposait 1 milliard d'euros d'aide. En Colombie, le bilan s'alourdit deux jours après le gigantesque éboulement de terrain qui a ravagé la ville de Mocoa dans le sud du pays. On dénombre désormais 254 morts, dont 43 enfants. Les secours continuent leurs recherches dans l'espoir de retrouver des survivants. Le pays reste dans de bonnes mains. Déclaration du président équatorien Rafael Correa qui se félicite de la victoire de son protégé. Le socialiste Lénine Moreno remporte la présidentielle selon des résultats quasi définitifs en tout cas. Résultat contesté par son adversaire, l'ancien banquier de droite Guillermo Lasso. Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être fidèle à 64 minutes. Place à la une francophone. Depuis 1994, 23 ans, un cessez-le-feu règne entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais c'est une paix très fragile. On en parle avec Elchin Amirbayov, l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan en France, qui est avec nous ce soir. Rebonsoir. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Grégory Fontana. L'armée belge impliquée dans la bavure de Mossoul, oui, affirme un journaliste britannique. Le Pentagone confirme que 36 bombes lâchées le 17 mars à Mossoul ont tué plus de 140 civils. Pas au courant, rétorque le ministre de la Défense. Jusqu'à présent, je n'ai aucune connaissance d'un tel rapport du Pentagone. L'opposition demande des explications devant la Chambre des représentants. Je crois que c'est notre devoir de demander de notre armée et de notre ministre de la Défense de la transparence. Le parquet fédéral a ouvert une enquête préliminaire sur cette affaire, à la demande de l'armée belge. Là, il devrait y avoir 1000 canards. Et là, donc, tout pareil, tout a été lavé, désinfecté. On vous l'a promis, c'est la toute dernière mesure pour enrayer l'épisodie de grippe aviaire. Le gouvernement vient d'imposer un vide sanitaire de 6 semaines. En attendant, quand il n'y a plus aucun canard à élever, c'est l'éleveur qui boite. Ce mois et demi de vide nous paraît de l'extrême précaution par rapport à notre situation. À ce jour, cette crise a fait baisser d'un tiers la production nationale. Ça y est, après 32 ans de travaux, l'autoroute A16, enfin ouverte dans sa totalité. Si la partie jurassienne a déjà été achevée l'automne dernier, il reste à inaugurer un petit tronçon bernois entre Cours et Lovresse. Il ne manquait que 9 petits kilomètres et voilà le plus grand chantier du canton du Jura, officiellement terminé, non sans quelques difficultés. Il était prévu de terminer cette route en 2005, ensuite pour la terminer en 2008. Quelques mois plus tard, le calendrier était renvoyé à 2014. Si Rome ne s'est pas fait en un jour, la 16 non plus, plusieurs tunnels resteront fermés la nuit. La vitesse limitée à 60 km/h sur certains tronçons, encore en travaux. Elles reviennent chaque printemps, mais on est loin des hirondelles, les puces de neige. Les quoi? Comme c'est quoi le nom que tu as regardé? La colimbole. En anglais, on appelle ça des springtails. Spring...
pale. Ah, les puces de neige! Quand le soleil sort, les puces viennent sortir parce que c'est au-dessus de zéro. Envahissant. Regarde, c'est plein ici, là, tu vois. Et pas moyen de s'en débarrasser. Mais l'an passé, j'ai essayé quelque chose d'aspirer mon aspirateur à flux. Je lave ça, mon gars, ça sentait. On sait pas quoi faire avec ça, mais apparemment, c'est pas dommageable. Ça pique pas, puis ça mange pas. Elchin Amirbayov est notre invité. Bonsoir, vous êtes l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan en France. Bonsoir. Il y a un an, les hostilités entre votre pays et l'Arménie avaient repris, on s'en souvient, s'agissant de cette région controversée, disputée du Haut-Karabakh. Où en est-on aujourd'hui? Je vous remercie encore une fois pour votre invitation. Je crois qu'il faut, pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, savoir un petit peu de quoi il s'agit quand on parle de conflit de Haut-Karabakh, qui est parfois nommé comme un conflit gelé ou oublié. Mais je ne suis pas d'accord qu'il est gelé. Les événements dont vous avez évoqué il y a un an ont montré à quel point la situation est très fragile. Mais ce conflit est déclenché suite à l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à la fin des années 80, début des années 90. Et suite à cette agression et l'épuration ethnique perpétrée par l'Arménie dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan, il ne s'agit pas seulement de Haut-Karabakh, mais aussi de sept provinces autour, comme vous voyez sur la carte, tous ces territoires sont occupés depuis 25 ans. Et bien sûr que cette occupation, qui est une violation flagrante de droit international, a été condamnée à maintes reprises par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, et le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 4 résolutions en 1994 qui demandent tous et qui exigent le retrait complet, immédiat et sans condition des forces d'occupation arméniennes des territoires. Donc on a une enclave autoproclamée qui n'est reconnue par aucun pays, qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Vous donnez ce soir le point du autre pays, qui n'est pas bien entendu celui de l'Arménie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui dans la situation d'impasse dans les négociations, parce que malheureusement, l'Arménie a choisi de consolider le statu quo actuel. Ça veut dire que l'Arménie démontre aucun signe de sa volonté politique pour faire bouger la situation. Et bien sûr qu'il pense qu'en bloquant le procès des négociations et en consolidant le statu quo actuel, ils peuvent gagner de temps et finalement, ils peuvent gagner donc ce conflit. Ce qui, je crois, est une considération fausse, parce que je crois que les événements de l'avril dernier, quand, suite à la provocation militaire des forces armées arméniennes, donc il y a eu une escalade qui a quand même s'est soldée par la perte des vies de plusieurs dizaines de personnes, on voit à quel point, sans accord politique de ce conflit, la situation sur la ligne de contact est fragile. Alors justement, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet. Il appelle les deux parties actif au compromis. Il dit que la Russie fera des efforts en ce sens pour un règlement de ce conflit. Il y a aussi la France qui joue le rôle de médiateur. D'ailleurs, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, était reçu il y a 2 semaines environ par François Hollande, le président français. Qu'en est-il ressorti? Oui, donc je crois que cette visite officielle du président d'Azerbaïdjan et ses entretiens avec le président Hollande ont démontré encore une fois à quel point la France est impliquée dans le processus de la paix. Vous savez que la France, depuis 1997, est un des 3 pays coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE avec les États-Unis et avec la Russie. Et pendant cette administration, la France a proposé un sommet de Paris de 2014 qui avait réuni les chefs d'État arméniens et azerbaïdjanais. Et il y a eu des entretiens très intéressants, très prometteurs. Malheureusement, une semaine après ce sommet, l'Arménie a commencé des exercices militaires dans les territoires occupés d'Azerbaïdjan. Et c'était, bien sûr que c'était une gifle au processus de la paix. Et depuis, je crois que depuis cette provocation de le mois avril dernier, quand l'Azerbaïdjan a dû à riposter et à libérer certains territoires qui étaient sous l'occupation, l'Arménie rejette aucune tentative de négociation directe avec l'Azerbaïdjan. Sachez que pour l'Azerbaïdjan, c'est un conflit qui est beaucoup plus lourd par ses conséquences, parce qu'il y a presque 1 million des 9 millions d'habitants d'Azerbaïdjan
Azerbaïdjan qui sont aujourd'hui soit des personnes déplacées ou des réfugiés. Ça veut dire qu'aux environ 11% de notre population, et ça c'est un résultat des politiques d'épuration ethnique qui a été perpétrée par l'Arménie dans les territoires occupés. Quelle relation entre la France et l'Azerbaïdjan? On imagine qu'il y a eu de la coopération économique abordée lors de cette rencontre entre les deux chefs d'État. On sait que votre pays a une manne pétrolière, c'est un secteur en crise. Comment est-ce que votre pays s'adapte-t-il? D'abord, il faut dire que la France reste pour l'Azerbaïdjan un des partenaires clés économiques dans l'Union européenne. Cette année, on félicite et on fête le 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France. La France était d'ailleurs le deuxième pays qui avait reconnu la restauration de notre indépendance, parce qu'on a eu une période de la première république parlementaire démocratique azerbaïdjanaise en 1918-1920. Et pour la France, l'Azerbaïdjan aussi reste un pays clé. En ce qui concerne des échanges économiques et commerciaux, la France avait investi depuis notre indépendance 2,4 milliards de dollars dans notre économie. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt les domaines pétrolières et gazières. Aujourd'hui, l'implication et la présence de plus de 50 sociétés françaises en Azerbaïdjan montrent la diversité d'implication de business français en Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes impacté par la chute des cours du pétrole ? Oui, bien sûr, parce que les revenus de l'Azerbaïdjan qui dépendent trop, bien sûr, de prix de pétrole, nous a touché beaucoup. Mais en même temps, ce qu'on a déjà lancé depuis des années, c'est la politique de diversification de notre économie pour investir énormément dans d'autres secteurs non énergétiques. Et je parle ici des domaines comme agriculture, comme tourisme, comme, disons, la technologie informatique, notre programme spatial. Donc viticulture et d'autres domaines. Et je crois que par le biais de cette politique, on a réussi à baisser la dépendance de notre économie des revenus du pétrole et du gaz. Mais par contre, l'Azerbaïdjan reste un partenaire stratégique de l'Union européenne en tout ce qui concerne la transportation des ressources hydrocarbures de la mer Caspienne via l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie vers les marchés occidentaux. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, est parfois montré du doigt pour le non-respect des droits humains. Où en est la question justement des droits humains en Azerbaïdjan aujourd'hui? D'abord, je voudrais vous dire que pour comprendre comment la situation est dans ce domaine, il faut visiter l'Azerbaïdjan. Donc, oui. Je voudrais pas faire des commentaires sur les stéréotypes et des amalgames qui sont liés à l'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, il faut savoir que c'était la première république parlementaire dans le monde oriental musulman quand il avait installé la première république parlementaire démocratique en 1918. On a octroyé le droit de vote aux femmes en 1918, beaucoup avant d'autres pays européens. On a aboli la peine de mort, on a accédé au Conseil de l'Europe en 2001. On a mis en œuvre une série de réformes politiques, y compris sur la démocratisation et libéralisation de notre société. Mais il faut comprendre qu'à l'échelle de l'histoire, 25 ans, donc ce n'est pas une énorme période, on sait très bien qu'il faut encore continuer nos efforts. Merci. Mais en même temps, je crois que l'Azerbaïdjan peut être considéré comme un exemple pour la tolérance religieuse, pour le dialogue interculturel. Merci Elchin Amirbayev, ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, d'avoir répondu à nos questions. Place maintenant au Journal de l'économie.